Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde dans une nouvelle sortie vidéo information à Canalis. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous garder ensemble les points positifs, les points négatifs dans l'institution pays et penser comment nous avons fait pour nous remettre campé institution. Et le plus important, c'est garder ensemble comment nous avons appliqué, comment nous avons investi nous comme citoyens haïtiens dans le changement haïtien. Mais aujourd'hui, là, on va aller plus loin dans l'émission. M'envie pour un petit temps pour vous parler avec chaque grain abonné, chaque fanatique, chaque ami inconditionnel travail ça a fait là. Ou même qui toujours a écrit, qui a brûlé, qui a envoyé un bel petit message d'encouragement pour Yannick. Comment dire ça réglé, prends courage. C'est extrêmement réconfortant. Il n'y a pas caché de nous ça. Nous illuminer journée, nous faire bien dormir, c'est vraiment intense, c'est vraiment intense. De ce fait, faut que nous connaissons, faut que nous croyons et faut que nous assurions. Donc, aujourd'hui, là, je nous garantis 11 amis, c'est tant qu'on famille dans l'équipe mon éditorial. C'est tant qu'on famille pour Yannick et nous avons continué à avancer ensemble, on a continué à faire travail ensemble pour nous porter bonnes informations, pour nous porter bonnes analyses, pour satisfaire. Continuez à regarder les vidéos. Abonnez. Et ou même quand vous regardez les vidéos, pourquoi abonner pas ici de faire ça? C'est extrêmement important. Et dernier mot, c'est qui ça lié? I love you all! Est-ce que je dis là, dans le moment où on a parlé, l'important pour nous repasser en revue quotidien chaque grand haïtien, péripétie, chaque haïtien à vivre en dehors du pays. Et ou même qui est à l'étranger, tout c'est sûr que. Situation paysan li touche ou, situation paysan li influence quotidien, c'est grave, c'est triste. Et ou gal réalise que, ou gal réalise nous face avec un fléau insécurité, nous face avec échec autorité, nous face avec une situation d'instabilité chronique en dedans paysan. Est-ce que nous songe Daniel Foot? C'est sûr que nous comptons peut-être ça, nous comptons Daniel Foot. Mais Daniel Foot là, li pa venu pour la paix. Li attaque G9, li attaque barbecue red met la. Ça fait révolutionnaire là, ça fini. En pile posé par Daniel Foot voye pi. On va raconter toute vérité sur question Daniel Foot là, sous problème li gen avec G9 familial, sous problème li gen avec barbecue précisément. Donc, restez là bien, chita bien, le score, tout détail, vous allez nous on va le comprendre. Raison, vraie raison, Daniel Foot par rapport avec et causer question instabilité politique dans le pays. Et en plus, fois, on a parlé de Premier ministre Ariel Henry. Nous dit Ariel Henry illégitime. Mais est-ce qu'on connaît base illégitimité ça? Est-ce qu'on connaît à partir de qui principe nous considérer Premier ministre Ariel Henry comme illégitime, comme de facto dans la tête de l'État, dans la tête primature? Qui sa constitution dit de Ariel Henry, de Premier ministre? Donc, toute information ça va nous jouer. Nous, ensemble, nous allons détailler, nous allons dépatcher pas en pas là et problèmes qui sont tapis. En façon pour comprendre plus bien, pour qu'il y ait matière dans le monde, on a parlé de politique, on a parlé de Ariel Henry, on a parlé de groupe G9 familial, on a bien positionné, on a déjà partagé la vidéo, on a parlé dans les pays, on a fait débat. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Daniel Foot, personnage ça, visage ça, non ça, qui passe de présentation sous scène politique haïtienne non, qui passe de présentation en dedans pays n'a admettre et n'a pas l'action le montrer position le montrer. Il est un personnage très controversé, il controversé par rapport et avec
point de départ li nan sa ki gen pou avec et cause politique en dedans pays. Daniel Foot, ancien envoyé spécial président Biden, qui te gen objectif vini nan pays, rive concilier opposition politique là avec pouvoir, rive mette chita nèg SDP yo et différents lots et secteurs nan vie nationale nan ki yo même qui te gon litige farouche avec président Jovenel Moïse avant que yo te décidé assassiner. Donc jodi an la nou jwenn Daniel Foot révélateur, Daniel Foot qui lui-même qui se fait passer pour l'haïtien beaucoup plus que l'haïtien lui-même. Vous pouvez comprendre que gon paquet de dénonciation que haïtien peut faire, gon paquet de vérité que nous-mêmes comme haïtien nous peut dire, gon paquet et position nous-mêmes comme haïtien nous peut gagner. Je dis en obtenant de Daniel Foot qui vient très clairement cap de que premier ministre Ariel Henry, c'est un monde qui gen complicité, c'est un monde qui participe, c'est un monde qui gen droit li trempé dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Il dit tout haut ce que beaucoup d'entre nous disent tout bas. Ça n'a pas dit derrière Kailan, li même li campé dans micro la presse, li campé dans journal écrit, li dit exactement ça le pense. Jodi an nou nou situation kote ke même Daniel Foot sa ki a joué le révélateur. Et puis Daniel Foot li prend position très catégorique avec G9 famille allié, li prend position voye pied a tête changé dans sa ki gen pou wè avec cause barbecue. Non interview li te bay le nouveliste, nou pral gen opportunité pour nous comprendre. Nou pral gen occasion là pour nous assimiler, comprendre ça di yo pour m'expliquer nous réalité qui caché derrière et déclaration, ensemble de déclarations que Daniel Foot fait. Là la parler de G9 famille allié, Daniel Foot gagne position, Daniel Foot gagne compréhension de ça qui G9 là. Daniel Foot, il gagne compréhension de ça qui ont révolutionnaire. Et m'a dit nous là, c'est vrai gon paquet moun ki ka yo même fâché, gon paquet moun ki ka voye pied, mais Daniel Foot li commencé de manière très catégorique, de manière très formelle pour dire que le n'a parlé de gang armé en dedans pays, ils sont des criminels, pas de révolutionnaires. Ils sont des criminels, pas des révolutionnaires. Donc déjà Daniel Foot considéré jeune famille allié, il considère leader jeune famille allié Jimmy Jerry alias Barbecue qui a fait conférence de presse, qui a fait point de presse et qui a fait passer, qui a véhiculé l'idéologie à travers et menace que classe politique ça représente pour pays, à travers menace que opposition bourgeoise est représentée pour pays. Il en a parlé de opposition bourgeoise et selon ça Jimmy Jerry a toujours fait quoi? Groupe opposant ça yo, groupe et monsieur ça qui constitue et l'oligarchie bourgeoise en dedans pays, c'est vrai que yo gon ensemble davantage que yo tiré sous peuple haïtien, yo non situation côté que tout ça qui était capable participer dans développement économique pays, tout ça qui était capable participer dans progrès économique pays, yo accaparé richesse ça, yo prend monopole sans que en retour yo pas créer conditions pour population haïtienne dans joindre travail, yo pas créer conditions et pour au moins économie pays li ta rebalancer pour yo ta redynamiser système politique là, système économique là pas gain bail sa pièce. Donc, nous avons une situation côté que j'ai 9 familles alliées qui constituent aujourd'hui encore, mais qui constituent et soi-disant entre guillemets un groupe révolutionnaire. Et Daniel Foot lui-même lui prend position pour dire que tout ça qui a sorti dans la bouche de 9 familles alliées, tout ça qui a sorti dans la bouche des barbecues, tout c'est menti. Il le dit très clairement. Il le dit très clairement. N'écoutez pas le message de barbecue, il ment. Et vous savez, tous ce sont des mensonges. Nous tous connaissons la réalité, nous tous connaissons la vérité. Parce que là, les pilons pour le dos que monsieur Sao qui fait être passé pour révolutionnaire, je dis, il faut que nous admettions une seule vérité, côté que dépousser Banzo n'a pas l'autre objectif. C'est tuer, c'est impunité, c'est agir. C'est agir en dehors de la loi en façon pour créer une sphère d'instabilité, pour créer un système côté que c'est violence qui prend le dessus, c'est violence qui a intimidé les gens, c'est avec violence qui a créé une psychose de peur dans la population. Donc, je dis, même quand je regarde les vidéos, je dis très bien. Dis-moi, regardez qui ça G9 constitue en dedans pays.
en termes de groupe armé, en termes et de force armée en dedans pays. C'est pas une force armée qui est légitime, c'est pas une force armée et que constitution reconnaît. On va parler de force armée en dedans pays, de force militaire en dedans pays, constitution d'où gen la police, gen l'armée. Donc là, le fait que G9 constitue, le fait que G9 monte au lit opérationnel, le fait que G9 monte au yo soutien et yo nan vie quotidien chaque grain haïtien. Soit parce que y a intimidé, soit parce que y a créé une situation de dépendance et moi passé là nous fait un mois avec une crise gaz. Autorités concernées y a pas en mesure pour gérer problème gaz, ça y a pas en mesure pour instaurer ça y a gagné comme autorité en façon pour te débloquer va jusqu'à ce que G9 dou OK yo font rêve gagne possibilité pour camion yo al prendre gaz al charger gaz al distribuer. Donc là on trouve dans une situation si c'est pas bonne grâce et groupe armé ça si c'est pas bonne volonté G9 famille allié pas gagné cap marcher en dedans pays pas gagne trêve cap fait cap toujours gagne laisser frapper avec la police a toujours gagne balle cap chanter gagne balle cap tirer a toujours gagne des victimes innocentes. Donc le n'a pas gardé position Daniel Foot par rapport avec qui ça G9 constitué jodi en dedans pays comme force armée comme force entre guillemets révolutionnaire mais qui pas une idéologie révolutionnaire tout bon on a dit tout. En dépit de tout bagaille ça yo, tout ça arrive possible parce que nous avons l'État qui fait. Parce que institution montre faiblesse yo, autorité yo même nous pas parler de faiblesse pour yo, n'a parlé d'échec pour yo. Ou non situation de faiblesse, l'on essaye quand même moins et petit coup les résultats sorti. Petit coup yo est bonne volonté pour bas résultat. Alors que je dis nous avons un groupe autorité en dedans pays yo. N'a payé yo y a joui privilège tout mais on dirait que tout ça reflété c'est mauvaise foi yo par rapport avec la situation côté que je dis ou victime malgré que ou non situation ou identifié auteur infraction malgré que ou identifié tout monde qui la cause ou tort à tout monde qui permet ou non situation ça mais la justice est possible pour le faire travailler. Institution judiciaire yo pas fonctionnel. Yo pas fonctionnel parce que gon système qui créé, gon système de codépendance entre groupe autorité malhonnête sa yo et système nan ki pa ka productif, système nan ki pa ka ba résultat, système nan ki maré ki entrelacé avec corruption. Donc dites tout bien. C'est pas seulement Daniel Foot qui nous en situation côté que la révélé ensemble de dérives qui a passé dans l'administration publique là ensemble de dérives qui a passé en dedans pays jodi en nous en situation côté que même peuple li admet que groupe armé illégitime gen légitimité groupe gang qui terrorise la population nous bayo légitimité nous accepter pouvoir gen nous accepter que et n'a vivre sous bonne foi n'a vivre sous bonne grâce yo. Donc dites tout bien si c'est Daniel Foot qui pour saute juste côté le sorti en vinn dou que gros bagay qui pas marcher en dedans pays qui vinn dou que ou dépendant de un groupe armé ou dépendant de un groupe et bandi en dedans pays ça c'est très mauvais c'est mauvais parce que on va vivre dans une situation que on pas cerner réalité ou pas ouais réalité nous va aller plus loin on va continuer. Daniel Foot faut comprendre que jodi an nou nan situation côté que tout nèg sa yo qui vle faire passer tête yo pour des révolutionnaires et ou même tout bon tout dit non bagay qui extrêmement important. Jodi an nou gon triptyque trois bagay côté que tout moun qui vle faire tête yo passer pour révolutionnaire yo vin avèl sou tapis. Yo dou jeunesse, yo dou rupture, yo dou révolution. Yo dou fòk jeune yo joine. Fòk jeunesse lan li joine. Yo dou fòk gon rupture avec système politique ça fòk gon rupture avec société avec mauvaise gouvernance qui gagne dans administration publique là avec et mauvaise gouvernance qu'a fait en dedans société hein. Et tout moun dou yo c'est révolutionnaire et voilà ou pral met avèm trilogie ça que a utilisé jodi hein. Le a vinn parler de jeunesse le a vinn parler de rupture le a vinn parler de révolution. S'il pas sorti nan bouchon moun ki respecte principe yo, s'il pas sorti nan bouchon moun ki koubel en bas règ yo, en bas principe yo, en bas loi fondamental yo, ou met konnen se balivè, ou met konnen se yon usurpation moun nan vin fè. Li usurpe
on identité le paye, li usurpel de on visionnaire que le paye, la vend on bagay que le passa et peut-être li pa jam ça. Comment pral parler de révolution jodi an pendant que nous rentre non logique et avec zam illégal nan men. Nous rentre non logique côté que nous paré pour une bataille, nous paré pour faire salière en toute impunité, nous paré pour craser, pour briser alors que principal victime yo qui est yo, principal victime yo c'est la population civile, principal victime yo c'est des innocents, moun qui pa gen rien pour wèr avec autorité yo, moun qui pa gagner pour avec bourgeois yo, moun ki pa gagner pour avec moun sa yo ki akapare au pouvoir l'état, ki akapare aux richesses dedans pays. Donc là bon bagay ki pa marché. Nan cheminement, nan chaîne de pensée, nan chaîne de vision ki sa projeté comme idéologie, sa yo vle faire passer comme message, bon bagay, bon rupture quelque part. Et ou même comme jeune jodi an là qui gen possibilité pour garder vidéo ou même comme jeune jodi qui gen possibilité et peut-être qui poko gen moyen pour quitter Haïti parce que nous considérer Haïti jodi an comme un pays de transit. Chaque grand haïtien qui rete ka vivre dedans pays actuellement là, c'est peut-être li poko faire projection pour le quitter, poko wè moyen pour l'aller. C'est ça que c'est situation ça qui la cause que nous pas rattaché avec pays, nous pas prêt pour une bataille pour pays, nous pas prêt pour nous gourmer pour pays nous. Ou même comme haïtien pas considéré tête comme citoyen dedans pays ou considéré comme on monde qui font titan et puis après qui prend aller qui là parce que situation beaucoup réunir beaucoup jeune cobla beaucoup fin compte beaucoup fin prêter etc qui fait beaucoup quitter pays. Et d'autant c'est dans logique ça nous y est, d'autant c'est dans logique ça n'a prêté. Haïti a toujours côté lié, on pas font pas quitter en panago. Donc là, nous besoin jeunesse vraiment qui implique pour changer situation. Nous besoin jeunesse qui prêt pour appliquer dans vie politique là de manière active, de manière proactive, en façon pour porter résultat. Nous besoin résultat. Résultat comme si nous voulez, c'est pas nèg exam qui pral bailli parce que nèg exam yo agi en toute impunité. Nèg exam yo agi, yo intimido. Nèg exam yo agi, yo créé une psychose de peur, yo créé une situation de chaos en dedans pays. Même le nèg exam nan ta gon idéologie, même le nèg exam nan ta gon idée qui basé sur la vérité, qui basé sur les faits, qui basé sur la réalité. Comment on pral inculquer, comment on pral vendre idéologie ça lorsque tout le monde qui a vinn devant eux c'est des monde ou créé on peur la caillou, c'est des monde et jodi qui trouvé au non situation, yo là parce que yo supposé là parce que obligé yo là parce que yo pas gen l'autre choix. Un révolutionnaire supposé offrir moun la vanne idée, li supposé offrir au choix, li supposé offrir en occasion côté que yo ka penser par yo même, yo ka décider par yo même. Est-ce vraiment bon combat k'ap mené pour pays changer? Est-ce vraiment bon combat k'ap mené pour ça pi faible yo, pour ça qui pi défavorisé yo, nous trouver au non situation côté que yo pas dépendant. Yo pas dépendant de moun sa yo qui a pressuré, de moun sa yo qui a humilié, de moun sa yo qui a créé instabilité en dedans pays. Meilleure façon pour combattre ça fait, meilleure façon pour sortir de dépendance ça c'est créer qui ça créer travail, créer qui ça créer une situation côté que on pral apprendre haïtien dans mes pays, ou pral apprendre haïtien dans mes patrie, ou pral apprendre haïtien dans mes tête li avant tout. Ou pas apprendre moun remet tête li avec zam. Ou pas apprendre moun remet tête li pendant que ou fait pression sur moun. Non pas apprendre moun remet tête li pendant que ou créer une situation côté que moun sa li pa ka choisi de parler même parce que déjà imposé. Zam nan déjà créé une pression dans li. Zam nan déjà créé une peur dans li. Ça qui trouble le plus en Haïti jodi an là. C'est que tout moun, presque tout moun yo perdu espoir. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Si nous parlons pour nous dire, nous prenons le détacher nous de vision ça, que groupe armé a vendu. Nous prenons le détacher nous de vision ça, de objectif ça, que un groupe négatif illégal gagne dedans pays pour nous parler, pour nous faire révolutionnaire et révolution. Faut qu'on parle, même pour rejoindre l'espoir perdu dedans pays. Est-ce que nous parlons pour ça? Est-ce que nous parlons pour nous changer ça nous gain là comme réalité.
véritable bagay ki gen jodi an la, malgré tande à droite à gauche, y a parlé de accord politique, y a parlé de renouveau d'Haïti, y a parlé de et coalition, consensus, concession, etc. On va quelque gros mots. Des fois, les politiciens viennent là, ils ont utilisé gros mots ça. Gros mots ça, c'est pour faire le peuple endormir. Pour faire comprendre qu'on est en situation, on a besoin de consensus. On a besoin encore. Mais ils ne pas prêts pour faire consensus sans vraiment. Pas de consensus qui a fait sous table sans que les gens n'aient pas un avantage. Sans que les gens n'aient pas intérêt. Alors que l'on parle de consensus, ou parler pour faire concession dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt général. Qui consensus, qui réel consensus qui a fait pendant que c'est tête moi. Pendant que c'est poche moi moi, pendant que c'est mettre un nèg dans telle direction générale, pendant que c'est mettre tel nèg telle femme ministre pour venir satisfaire soit gagner comme intérêt politique. Pas jamb ka gagner consensus vraiment, pas jamb ka gagner et coalition vraiment. La toujours difficile, la toujours gon bataille politique, a toujours gon bataille de clan, toujours gon bataille de classe en dedans pays. Donc pour finir avec Daniel Foot dans cause jeune famille alliée. De manière formelle, pour Daniel Foot, nous mettons pas son trait sous cause révolutionnaire. Ça. Nous mettons pas son trait sous cause et jeune femme y a lié Paris pour faire révolution, Paris pour chavirer le système, pour faire chambardement. Nèg exam illégal pas qu'à faire révolution. Nèg exam illégal pas qu'à porter changement. Et surtout, leur vision gagnant li pas refléter bonne gouvernance qui gagne en dedans communauté. Leur vision gagnant li pas refléter progrès qui gagne dans communauté. Jodi an la, on nous garde réalité on pas qu'être nèg exam, on pas qu'être nèg qui constitue jeune famille. Tout gen zam nan men yo, tout gen zam illégal nan men yo. Pendant que y a parlé de renouveau pour communauté, y a parlé de progrès pour communauté. Y a fait social, c'est des hommes social et nèg qui parlent pour investir. On nous garde les réalités, on nous garde les vies de la communauté toute nèg ça. Est-ce que y a un progrès vrai? Est-ce que y a un changement vrai? Sinon que utiliser même jeunesse qui dans communauté ou bah aux âmes intégrer dans même groupe, dans même groupe bandit, dans même groupe gang avec eux. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est là pour nous commencer à admettre que gon bagay qui pas fonctionner en dedans pays, gon bagay qui pas fonctionner en dedans système là. Et gon message que nèg a véhiculé tout, gon bagay qui pas passer là-dedans comme vérité. Aujourd'hui, si vraiment gon bataille qu'a faite, nous pas qu'à intégrer jeunesse qui mandé, qui besoin chance pour rêver, jeunes ça qui besoin chance pour apprendre nos bagay, pour travailler, pour jeunes travail, pour utile pays, pour utile tête, pour utile famille, et puis son âme offrir. Même jeune en bataille contre tout nèg qui a dou camper des barricades d'avenir, barricade pas avenir, barricade empêcher me fonctionner dans pays, barricade c'est pays lock limité, barricade d'instabilité le mettez, si barricade pas avenir, on zamba ka avenir tout. On zamba ka avenir. Donc, du même au pareil, l'on prend politicien qui vend un rêve côté que barricade lancé avenir, qui vend un rêve qui basé sur de fausses idéologies, qui basé, qui a fait faux messages passer. Donc, c'est le même. Jodi an pa vin mande jeune nan pou rete avec on zam illégal nan mel, préférer nous commencer faire promotion pour désarmement, préférer nous commencer faire promotion pour réinsertion, parce que tout moun gen yo gen chance pour yo joindre une deuxième opportunité pour yo rebalancer. Tout moun gen une deuxième chance. Est-ce qu'on pare pour bay jeunesse en deuxième chance? Est-ce qu'on pare pour prendre deuxième chance? Est-ce qu'on pare pour bay pays en deuxième chance? Et c'est ça qui fait toujours important. Li toujours important à travers ça tout monde ka vann comme vision, ka vann comme idée. Même Daniel Foot qui vini jodi an la, qui vini a parler de jeune famille allié qui dou monsieur ça yo pa ka constituer un groupe de révolutionnaires, yo pa gon idée, yo pa gon idéologie à vann qui basé sur changement vrai. Donc là, n'a dit tête nous très clairement. Ou pral comprendre, nous bon faut comprendre. Daniel Foot, la parole de jeune femme yan li, el dou, son groupe gang, son groupe armé, yon pa ka révolutionnaire. Nous d'accord. G9, son groupe armé, son groupe bandit, qui gen zam illégal nan men yo. Mais avant Daniel Foot rentre en Haïti la, pou l'vin di tout cause sa yo. Premier bagay, la fok yo konne. Haïti pa fait zam,
G9 pas fait ça. M'pa vinn bay G9 j'arrête dans quoi que ce soit. M'pa vinn faire avocat G9, ça jamais. Parce que moi-même marcher dans ça qui gagne pour avec respect principe, m'respecte la vie moun, donc m'pa t'ap jamais ka trouver m'dans situation ça. Ou pral comprendre que zam tout zam za ou qui rentre en Haïti, yo pas fait l'autre bagaille que à l'enrichi et marché armement américain. Zam yo sorti la caillou, yo passé dans douane yo. Ou imagine ou États-Unis tellement cheval sous principe ça, tellement cheval sous cause zam. Yo gen machine X-ray yo, yo gen détecteur de métaux yo. Donc pour zam sont États-Unis rentrer en Haïti, c'est Haïti yo pral détecter. Yo a yo sont arrêté trois et au sorti ça américain avec zam illégal, zam fan froid, boîte cartouche qui rentre en Haïti côté aux sorti États-Unis. Est-ce que le possible? Donc bon marché, gon marché informel, gon marché en bas table, gen bagay k'ap fèt, k'ap sorti États-Unis pour vin rentrer directement en Haïti. Yo participé nan kreye jenè fami alye. Yo participé nan finanse jenè fami alye. Yo participé nan armé jenè fami alye. Yo participé nan rann groupe armé sa opérationnel. Donc jodi an la vin parle m, vin di m ke et sa k'ap pase en Haïti avec jenè fami alye, li pa bon, pa bon, pa bon. Oui, li pa bon, li pa bon du tout, mais avant tout, nou gen responsabilité nou la dan. Nou gen responsabilité nou la dan, c'est création nou. C'est création nou et il fut un temps. La lim te admet que G9 ta fait un bon travail depuis les G9 constitués en dedans pays, la criminalité en baissé. Jodi an la l'ob garder Daniel Foot qui vini comme dou que G9 li amplifier violence, G9 li créer plus instabilité, G9 créer plus trou vide dans économie pays ya, parce que problème crise gaz yo sont mette là, c'est peut-être changé. Donc est-ce que nous pas ouais administration Biden n'a pas problème? Est-ce que nous pas ouais États-Unis li créer, li tellement créer une situation d'inconfort en Haïti? Autorité ont tellement perdu tête yo dans quoi dans tout ça et américain dit dans quoi dans tout ça et communauté internationale l'a dit. Kounya yo vinn senti que yo vinn tellement à l'aise, yo pas envie faire effort pour yo ba haïtien et possibilité pour le vivre en sécurité la caillé. C'est blanc pour parler, c'est blanc pour admettre, c'est blanc pour faire ceci, c'est blanc pour faire cela. Est-ce que le possible n'est pas possible? Hey, aucun problème, bon? Bagay la piti. Rete la parle. Zest of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour l'en même. Ça pral permet de rallonger bien. Bal longueur vle et puis survle pour moun vle. Nan 90 jours seulement, solution nan mèw, pardon ya. Et ou même ka fè rove. Ah, madame nan bavlo nan kay la. Kout ki lot fè pou pou. Ou fè bekate? A bien pa inquiéto, solution la. Gen bon yo traitement 100% naturel pendant 90 jours, tout bekate fini, za fò régler. Non bon ti mamie. Tout garçon ka utilisé entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin peur. Produit 100% naturel, yo testé et approuvé. Relé nan 514-886-9776 ou bien nan 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein. Zest of Moringa, c'est solution. Pendant nous pral quitter dossier jeune femme alliée, ça nous pral passer pour premier ministre Ariel Henry. Ariel Henry li gen accompli 120 jours. Délai constitutionnel Ariel Henry dans tête l'état, dans tête pays, li fini. Ariel Henry monté 20 juillet. 20 juillet nous se passé 20 novembre là, fait exactement 120 jours. Délai constitutionnel article 149 et alinéa 2 constitution prévoit en cas de vacances présidentielles, ou a gagné jusqu'à 120 jours pour faire élection, ou a gagné jusqu'à 120 jours
pour organiser, si on fait référendum, whatever soit fait, pour venir mettre ton prochain président élu dans tête pays, il passe pour Ariel Henry. C'est fini, les carottes sont cuites. Mais nous, Ariel Henry, jusqu'à date, et c'est cause du gouvernement qui a parlé, c'est cause du accord politique qui a parlé. Et Ariel Henry tellement comme ça, les affaires. Premier ministre tellement à l'aise, nous tellement quitté l'attitude, nous tellement quitté la liberté pour M. Sayo, pour yon ban nous, pour yon grenier Gilbret dans tête pays, hein? Pour yon grenier Gilbret ban nous. Nous pral réaliser que, à travers l'accord primature ça qui signé 11 septembre, Ariel Henry est conditionné. Il est conditionné et chital, il est conditionné confort. Li. Dans la tête primature, parce que déjà l'élection a fait et en 2022. Déjà, il faut comprendre que je dis là, on a une situation côté que il faut voir encore politique qui aboutit pour créer un CEP. Déjà, Ariel Henry, il met en situation, par contre, ni tête ni pied, s'il y a bien référendum ou pas. Déjà, on conditionne l'élection avec sécurité. Alors que dans la cause de sécurité, nous avons zombifié le peuple. Il faut admettre qu'il y a une sécurité, il faut vivre dans la sécurité, il faut tolérer les gangs qui font kidnapping, les bandits qui font kidnapping, mais faire silence et puis absorber. Faire silence, boel. Il n'y a pas de boel au fini. Alors que la Constitution révoquait ce réel gain comme légitimité. Il n'est plus légitime. C'est le premier ministre de facto. C'est la première autorité paysanne de facto. Donc qui ça Ariel Henry a fait là toujours? Le dilemme, c'est demander pour Ariel Henry aller, mais qui est-ce qui va le remplacer? Qui est-ce qui. Pour demander qui est-ce qui va le remplacer là, faut que tout dit monsieur. Faut que tout dit ça. Yo créé une situation, yo créé un yo mettez nous en dimension pour faire nous comprendre que tout le monde qui ca venir remplacer yo dans tête pays c'est volé. Tout le monde pas volé en dedans pays ça. Tout le monde pas gang en dedans pays ça. Tout le monde pas assassin en dedans pays ça. Qu'on y a c'est nous même comme population qui pour créer conditions yo là monde n'a venir remplacer un premier ministre ou bien un président. Ou bien, wherever moun li an ton ministère, an direction générale, faut nous créer conditions pour yon bay résultat. Nous pas ka tolérer échec, nous pas ka admettre que moun nan li nan fonction, pas ka bay résultat, mais nap gade toujours si bon Dieu vle. Bon Dieu pas vle. Bon Dieu pas vle. Parce que bon Dieu créer toutes conditions yo pour nous même pour nous influencer le travail moun nan fè. Son autorité, li pas performant, son autorité, c'est échec la cumulé, gade comment nous ka retirer là. Comment nous ka retirer là? Nous chita n'a perdu temps nous. N'a perdu temps nous dans série de monde qui pas régler rien. Yo pas régler rien alors que principe là qui s'allie, tout pays qui a marché aujourd'hui, tout pays qui a pas avancé c'est parce que yo gen représentant, yo gen monde qui valable. Nous même nous à l'aise pour nous pour un paquet et nous pour un paquet vaut rien, nous pour un paquet val pas, nous cumuler au son table. Et dans le proverbe là, tout grand monde toujours dou. Depuis c'est fatra ou manger, ou toujours gen jari, ou toujours gen vent mené. Donc résultat là, nous tellement cumulé échec, n'a prend échec, je dis à mes côtés pays. Nous avons insécurité chronique, nous avons instabilité chronique, nous avons problème tout dans tout domaine. Regardez là, un festival jazz qui qu'on fait chaque nouvelle année, chaque janvier dans nouvelle année. Là, il y a campé festival jazz de manière indéfinie pour cause de violence, pour cause d'insécurité. Est-ce que c'est possible? Le festival l'a vienne fait, c'est pas seulement moun qui gagne moyen, non qu'elle la dalle. Si machine n'en fait quoi? Tout moun participe à une échelle ou à une autre, tout moun gon bagay yo tire de li. Qui ça fait le jodi? Qui ça mette nous dans situation ça? Insécurité. Qui est-ce qui crée insécurité? Même monsieur Damzao qui est en tête l'État. Même monsieur Damzao qui fait partie de la communauté internationale qui a passé l'ordre dans l'État. Donc c'est un système entrelacé, c'est un système connexe lié qui crée des problèmes connexes dans la population haïtienne. Et m'a profité à annoncer pour les fidèles chrétiens catholiques que et d'ici 28 novembre là qui vient, il y a un paquet de changements que l'église catholique que Vatican décide de porter dans rituel yo.
paquet ou paquet changement. Gon façon que père te kon prier, li pa prier kon sa encore. Gon façon te kon di bénédicité, li pa di le kon sa encore. Et gon paquet changement. Gon paquet changement y attend nous, y attend nous dans 28 ça ka privé là, le nou pral nan messe, le nou pral prier, le nou pral adorer et que yo fè annonce tan pour nous que nous préparer nous tout nous conformer nous avec principe en façon pour rester objectif c'est qui s'allier c'est rester au plus près de la sainte écriture, de l'écriture de ça dit et du texte originel et de du ressuscité, du Christ. Bon, c'est ça. Oui. Et en gros, c'est ça lié, c'est exactement ça parce que pas vraiment relever tout ça qui gagne de manière méthodique pour me venir dire non mais qui m'occupe dit pas dit encore mais qui ça que là pas là encore. L'essentiel nous au courant de changement qu'a bien pour faire là. Comme toujours aimé dire, émission mon éditorial c'est pas seulement information et formation. M'gen mission pour me toujours chercher pour te bail public là tout ça qui bon. Et bien je dis là m'a présenté les produits Rosa. Rosa c'est une entreprise locale 100% haïtien qui a évolué nan mettre sur marché à bon gens produits de qualité. Ou ap joine spaghetti nan produit Rosa. Ou ap joine du riz jaune nan produit Rosa, ou ap joine macaroni nan produit Rosa, ou ap joine savon lessive nan produit Rosa. De pou tande parler de Rosa, ou gen tan wè produit de qualité, ou gen tan wè bon prix, ou gen tan wè bon produit. Et bien si m choisi vinn présenter au produit, m vinn choisi parler de li, c'est parce que li bon. Pendant n'ap kore production locale la, avec Rosa, n'a tout profité pour ses dos. Oligarque pour ses dos, nexao qui a accaparé et marché économique là depuis bien longtemps, c'est celle yo même qui a fait business, c'est celle yo même qui est entrepreneur et bien avec produit Rosa nous vinn ba une réponse. Donc ou même qui à l'étranger qui intéressé pour ba un ami, une famille, un business en Haïti, ou ka contacter entreprise Rosa nan 28 13 01 40 ou bien ka toujours rele nan 36 99 94 02. Ou ap jwenn du riz, ou ap jwenn spaghetti, ou ap jwenn macaroni, ou ap jwenn savon lessive. Donc là, ou gen 4 ingrédients on moun ka vann, ka commence un business avec, donc pas hésiter. Moi même faire confiance, manger du riz, me tester du riz. Li pa bwè dlo, li pa bwè l'huile, donc bon bagay. Donc ou gen intérêt pour contacter, ou gen intérêt pour tester produit yo et très bientôt là m pral commencer vin avec produit Rosa yo. M pral vin pote cadeau pour m pral vin fò tester yo, m pral vin fò goûter yo, tout pas inquiéter nous. Donc là, pas hésiter contacter entreprise Rosa et pour plus d'informations. En tout cas le peuple, là nous nou en situation de zombification absolue. Moi même moi me dit me connais gon paquet nan nous qui wel mais nous accepter pour des quoi c'est comme si c'est quoi n'a porter nous prend la deux bras l'ouvrir nous pas parler de élection encore nous pas parler de référendum encore alors que objectif Ariel Henry dans tête l'état pas tout bagaille que référendum élection côté donc nous admettre que je dis en là nous admettre nous li passer dans l'oubli. Nous admettre que des millions de dollars qui étaient investis pour causer référendum, c'est comme ça le fini. Nous admettre que SDP, André Michel, Nel Kassi, ils ont collaboré avec Ariel Henry, ils sont façon pour barrer le référendum de manière définitive jusqu'à ce que Ariel Henry quitte le pouvoir. Nous admettre. Jean Diaspora adapte un référendum, Jean adapte une élection. J'ai adopté une nouvelle constitution et puis c'est ça je dis à la prendre mais Ariel Henry. Principe simple qui dit mot consent. Qui dit mot consent et nous pral comprendre que tout le monde qui voulait la paix c'est la guerre engagée. Et pas forcément on guerre côté que nous pral mettre pays nous pral réduire pays ensemble côté que nous pral faire violence continue. C'est moment pour nous imposer nous. C'est le moment pour nous prendre ça nous gagner comme droit. C'est le moment pour nous faire voir nous passer. Il n'y aura jamais de paix en Haïti sans une guerre. Et guerre avec qui est-ce pour nous faire? Guerre ça c'est avec autorité politique ça yo qui accapare au pouvoir l'état comme bien maman ou bien papa yo.
comme n'exa qui a accaparé monopole privé des affaires là, comme si c'est bien maman ou bien papa yo. Il y a tout le monde en joue sauf le peuple, tout le monde à l'aise sauf le peuple. Nous n'avons pas de blackout, yo même yo gen courant la kay yo 24 sur 24 gaz l'état, fiche gaz l'état et panneaux solaires yo commandé à l'argent l'état, inverteur, batterie tout sous dos l'état, sous dos l'argent et point l'argent taxe non. Et puis nous même nous autres nous chita n'a compu n'a foulé. Autorité yo se foulé y a fait. Yo connaît déjà très bien que résultat c'est pour peuple en louer. Et c'est ça qu'il faut aller nèg yo voler, yo voler ensemble. Le nèg yo volé en dedans paysan yo volé ensemble. Et puis gros coup dur. Peuple haïtien ka prend, puis gros coup dur paysan ka prend, c'est là ouais un groupe jeune te prend initiative mande côte cop bétro caribéen, ouais mouvement ça on paquet politicien, on paquet nèg qui mange l'argent pétro caribé, on paquet nèg business yo gen l'argent pétro caribé là-dedans, yo approprié mouvement et puis yo casser mouvement. C'est la honte. C'est la honte parce que nous-mêmes comme jeunes, nous-mêmes comme monde qui choisit impliquer nous dans changement pays nous, il pas doit facile pour nous laisser nous comprendre comme ça. Il pas doit facile pour nous reposer bataille n'a mener bataille pour changement, bataille pour peuple, bataille pour renouveau principe démocratique yo sous don paquet aloufa, sous don paquet monde qui participer dans craser ça gagner comme institution. Que on prend financement, que on prend sponsor nan men yo, que on prend mayo, que on prend bandol, que on prend billboard, il fallait dire non. N'a menon mouvement pour peuple, n'a menon bataille pour peuple, c'est de même changement ça nous besoin pour Haïti a. Nèg sa yo qui déjà passé des années, des décennies dans tête l'état, des décennies dans fonctionnant poste politique que a occupé en dedans pays ça. Nous supposé mettre au de côté. Nous supposé considérer que moun sa yo pas existé encore. Et même en question d'expertise, m'pa pas comment m'bral mande un nèg qui passe toute ville à voler l'argent l'état, comment m'bral mande l'expertise. Comment m'bral mande un nèg qui passe tout temps nan mete moun ou ete moun nan caisse nan boîte l'état ou nan tête institution, comment m'bral mande ou vinn ban expertise, vinn ban conseil. Gros monsieur ça en dedans pays an. Gros politicien ça yo, c'est nèg pou nou retirer nan figi nou net aller voyer non coin. Voyez non quoi. Et dans l'émission de mai, on incident passé récemment là. Dans Ayoga Simon Antoine Simon dans Okaï. Il est extrêmement important pour nous faire tourner sous lui, on aller sous lui. C'est monsieur le baron qui a été impliqué là-dedans et on va le voir niveau vulnérabilité ça crée les immigration dedans pays. Nous pral le niveau vulnérabilité qui gagne en cause sûreté intérieure de l'état. Donc là faut nous secouer quoi non. Si vraiment nous voulons faire pays, pas grand question de groupe monde puissant dedans pays ça non. Ou puissant pour entourage ou pour famille ou pour communauté ou à évoluer là-dedans là. Moun qui accepte toute bêtise ou à faire. Mon pas ka puissant pendant que règle ou choisi dicte population, c'est lui même qui a mené nous à la dérive, c'est lui même qui a causé perte non. Et bon là vraiment c'est hallucinant. Nous pas quitter émotion beauté non, nous pas quitter émotion beauté non. Donc n'a fait mes chapitres là pour jeudi hein. Déjà m'a invité au partager vidéo, un maximum de partage, un maximum de commentaires. Mes amis, pas hésiter. Rubrique qui sort là, lila pour vous. Lila pour vous, on va toujours voyer en voice, voyer un message audio dans 38 96 38 19 pour venir exprimer, venir parler pays, venir nous faire débat parce que et nous arrivons à un point côté que nous pas voulu arriver dans point de non retour là, non. Jusqu'à date nous non au point côté que gain opportunité gain moyen pour nous changer donner donc c'est agir pour nous agir c'est ensemble pour nous poser bon action yo. Moment arrivé là pour mettre un bout dans l'émission mon éditorial pour aujourd'hui hein, et principe là n'est pas changé. Rendez-vous en tout li casser pour demain sur même chaîne là dans même l'heure des micro présentations hein, c'est toujours même Yannick la même voix rien hein, pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, c'est espace analyse.
débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.